Ceci est le premier exemplaire de cette orchidée que je vois dans la mâle père. La fleur est jolie, mais c'est sa couleur qui est inhabituelle. D'ordinaire, les orchidées sont plus colorées, et même la l'auroglosse, qui semble verdâtre vue de loin, présente une pigmentation magnifique vue de près. Il arrive souvent qu'une espèce d'orchidée comme ici Orchis purpura donne ce que les botanistes nomment un Lusus naturae, c'est-à-dire un monstre. Ce peut être dû à un accident physique, un piétinement par exemple, ou à une pollution chimique naturelle, une merde d'oiseau, ou bien à un quelconque produit phytosanitaire agricole. Il se pourrait bien que ce soit le cas ici. En attendant, nous la nommerons Orchis montis regalis, soit orchidée de Montréal, si ça ne fait de tort à personne.